Mutarabun. Donc on a donné tous ces noms-là pour ce même jour qui montre la grandeur de ce jour-là. Lorsque tu vois une seule chose qui a plusieurs noms, ça montre la grandeur et la valeur de cette chose. Tel que Dieu, il a beaucoup de noms que nous ne connaissons même pas le nombre. Tel que le prophète Mohammed, il a beaucoup de noms. Tel que Sourate al-Fatiha a beaucoup de noms. Le jour du jugement également a beaucoup de noms. Tout ce que nous venons de citer ici n'est pas moins de 10. Et c'est pas tout. Il y a d'autres noms aussi qui ont été utilisés pour appeler ces mêmes jours-là. Donc, Atomatul Kubra qui est ici fait partie de ces noms que nous appelons le jour du jugement. Donc Allah a dit, lorsque le grand cataclysme viendra, lorsqu'arrivera ce grand jour-là, le jour dont les hommes vont oublier tout ce qu'ils ont eu à faire dans le passé. Tu le vois là, il était roi. Il ne manquait de rien. Mais lui-même, il a oublié aujourd'hui qu'il était en train de vivre aisément. À cause de quoi? À cause des soucis qu'il se trouve dedans. Yauma, ce jour-là, yatadhakkaru l'insanu, l'être humain se rappellera. Il va se rappeler. L'être humain, il va se souvenir masa'a de ce qu'il a fait dans le passé, de ce qu'il a eu à avancer. Masa'a. Tout le monde, ce jour-là, sera lettré, sera instruit. Il n'y a personne qui dira que moi, je ne sais pas lire. On va venir te remettre ton livre. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi. Fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Et de l'autre côté, Allah dit, wa'amma man utiya kitabahu wara'a dhuhri. Fasawfa yad'u thubura. Donc chacun de nous va recevoir son livre. On vient lui remettre le livre. On te dit, lis ça. Tu ouvres et tu vas lire correctement. Ce que tu as eu à faire là, tu vas lire dans ce livre et tu vas t'étonner, tu vas dire, ah, quel est ce livre qui n'a ni laissé les petits, ni les grands, de tout ce que j'ai eu à faire. On ne peut pas sauter. On lit tout ce qui est dans le livre et on trouve que tout ce que nous avons eu à faire aussi est mentionné dans ce livre-là. C'est grave ce jour. Donc l'homme va dire, ah, vraiment, le livre-là est étrange. Il n'a ni oublié les petits, ni les grands. Sauf que ça a été mentionné dedans. Donc Allah a dit, « Yatadhakkaru l'insanu masa. » L'homme lit, il va dire, « Vraiment ça, j'avais fait. » Il lit encore l'autre, il dit, « Oui, ah, ça aussi, je ne peux pas nier, j'avais fait. » « Yatadhakkaru l'insanu. » Donc l'homme va se rappeler, « Masa, de tout ce qu'il a eu à faire dans le passé. » وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى. L'enfer sera visible. وَبُرِّزَتِ. L'enfer sera déclaré, sera présent, sera montré. الْجَحِيمُ, l'enfer. لِمَنْ يَرَى, à celui qui doit le voir. À celui qui doit voir. Donc, le feu de l'enfer, on va l'amener et on va le mettre devant les gens. Mais pour voir sa destination finale, ça, ce n'est même pas ce jour-là. On a dit depuis le début de la sourate, وَالنَّازِعَاتِ غَرْقَ. Allah a dit qu'il a juré par quoi? Par les anges qui arrachent l'âme des mécréants avec la violence. Donc depuis lors de la mort d'un mécréant, il voit déjà ce qu'il arrive après, la façon dont les anges arrivent, la façon dont ils vont l'amener à la mort. Donc lui-même voit déjà sa destination finale. Ça, on avait vu depuis le début de la sourate. Donc depuis que son temps a sonné, lui-même il sait, ah, déjà, c'est là je dois partir. S'il était aussi croyant, il voit clairement, c'est là que je dois partir. Par rapport à la descente des anges chez lui,
par rapport à la manière que les anges vont l'adresser la parole, par rapport à la manière dont les anges vont arracher son âme. Et dans la tombe également, par rapport à sa vie de là-bas, il sait déjà là où il doit partir. Maintenant, le jour du jugement, Allah a dit « Waburrizatil jahimu » et on va présenter, on va montrer. L'enfer sera visible d'une manière à celui qui doit le voir, à celui qui doit le regarder. Fa'amma man. Mais quant à celui, t'aura qui a dépassé les limites de Dieu, t'aura qui a transgressé, qui a débordé. Allah a dit ça c'est interdit, mais il fait. Allah a dit ça c'est autorisé ou ça c'est obligatoire, il ne fait pas. C'est ça qui est t'aura. Il a débordé, il s'en fout des limites de Dieu. Il transgresse tout. On lui dit ça là c'est interdit en islam, mais pour lui, il s'en fout. On lui dit ça, on doit faire forcément, mais pour lui, il fait quand il veut, il laisse quand il veut. Torah, il s'en fout des lois de Dieu. Il dépasse les limites de Dieu. Torah, donc quant à celui qui a transgressé, qui a débordé, qui a dépassé les limites. Wa athara, et il a préféré. Athara, il a préféré. Et il a placé au-dessus el hayat ad-dunya, la vie éphémère, la vie présente, la vie que nous sommes en train de vivre maintenant. Donc du fait que lui, il a aimé la vie d'ici, du fait que lui, il a cherché la vie d'ici, sans faire de distinction entre le bien et le mal, ça l'a mené à dépasser les limites de Dieu. Athar al-hayat ad-dunya, parce qu'il a préféré vivre bien ici. Et de l'autre côté, il n'a même pas préparé ça. Allah parle maintenant de celui-là. Il a préféré la vie d'ici. Il a dépassé les limites de Dieu. Il a cherché seulement à gagner ici. Mais il n'a pas préparé l'autre côté. Athar al-hayat ad-dunya. Fa inna al-jahima hiya al-ma'wa. C'est vrai que le feu de l'enfer est son refuge, est sa destination finale, est l'endroit que lui il sera jeté après le jugement qu'Allah nous en préserve. Donc le feu de l'enfer est là pour ce groupe de personnes-là qui ont préféré ici, qui n'ont pas préparé l'autre côté. Allah a dit Fa'in al-Jahima, c'est vrai que le feu de l'enfer, hi al-ma'wa, est son refuge. Wa amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa 'anil hawa. Nous avons dit qu'Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, lorsqu'il parle des mécréants, il parle aussi des musulmans. Lorsqu'il parle des musulmans, à la fin, tu verras qu'il va parler du mécréant. Lorsqu'il parle du paradis, après, il parle aussi de l'enfer. Le Coran a cette méthode-là. Donc, le Coran marche avec les deux. Ça ne prend pas un côté et abandonner l'autre côté. Tout à l'heure, Allah a parlé de celui-là qui a préféré la vie d'ici, qui n'a cherché que les biens de ce bas monde. Et il nous a parlé de sa destination finale. Maintenant, il va aborder l'autre côté. Il a dit, « Wa amma man. » Mais quant à celui, « Khafa » qui a eu peur, qui a craint, « Maqama » sa position, « Rabbihi » devant son Dieu. Il a eu peur, il s'est dit, « Ah, un jour, je serai debout devant Dieu. » Maqama Rabbihi. Il a eu peur de sa position devant Allah. Il s'est dit, ah, on va mourir. Et après la mort, on va nous faire revivre. Et il aura un jugement, je serai debout devant Dieu. Maqama Rabbihi. Il a eu à penser à ça, il a craint ça. Wanaha nafsa. Qui a fait que lui-même a interdit son âme. Anil hawa de sa passion. La passion
Tu as vu quelque chose qui te plaît. Mais de l'autre côté, tu vois que Dieu a dit ça, c'est interdit. Donc, tu l'as aimé, mais à cause de l'interdiction de Dieu, tu as dit, ah, je ne peux pas toucher à ça. On aime de l'argent. Mais tu as vu l'argent quelque part que tu peux voler, ou bien tu peux escroquer. Tu as pensé, ah non, Allah a interdit ça. Naha nafsa anil hawa. C'est vrai que toi tu aimes, mais tu as laissé à cause d'Allah. Tu as vu une jolie femme que tu as aimée, et tu as voulu la chercher sur une voie qu'Allah n'a pas autorisée. Tu as pensé, ah, Dieu a interdit. Wanaha nafsa anil hawa. Tu as interdit ton âme à faire sa passion. Tu vois l'alcool, les amis sont en train de boire, on t'invite. Tu regardes là, tu dis, ah non, ça, l'islam a interdit. Hein. Bien vrai, je vais goûter. Mais non, en islam, on a dit c'est interdit. Naha nafsa anil hawa. Donc, tu combats ta passion. Ton âme te demande de faire ça. Mais toi-même, tu dis non, Dieu a interdit. En ce moment-là, tu abandonnes ça à cause d'Allah. Quel est le sort de cette personne? Fa'innal jannata, c'est vrai que le paradis, c'est vrai que le jardin, sera le refuge de ce dernier, sera la destination finale de ce dernier, celui-là qui a abandonné tout ce qu'il a aimé à cause d'Allah. Allah a dit, fa'innal jannata hiyal ma'wa, sa récompense auprès de moi, Allah, c'est de le mettre dans le paradis. Et dans le paradis, le messager de Dieu a dit, il y a des choses que nous n'avons jamais vues. Il y a des choses aussi que nous n'avons jamais entendues. Ma la aynun ra'at. Aucun œil n'a vu ça d'abord. Wa la udhunun sami'at. Il n'y a pas d'oreille aussi qui a entendu parler de ça. Tu n'as jamais entendu parler de ça. Wa la khatar ala qalbi bashar. Et personne n'a imaginé ça. Nous sommes en 2022. En 2022. Tu verras les blancs, ils vont s'asseoir, ils vont imaginer en 2050 comment sera le monde. Il pourra avoir combien d'habitants dans le monde. En 2022, comment on va évoluer. En 2022, comment l'Internet va aller de l'avant. Donc ça, c'est l'imagination. Il y a certaines choses qu'on a entendues, il y a certaines choses que nous avons vues. Il y a certaines choses aussi qu'on imagine. Ce n'est pas encore arrivé, mais on dit, par rapport à ça et ça, jusqu'à 10 ans, il peut avoir ça. Allah a dit non, non, non. Wala khatarun ala qalbi bashar. Aucune personne, même l'appel vidéo, on avait prédit ça. Les gens voyaient que vraiment, après 10 ans, après 20 ans, on va atteindre un niveau où les gens pourront faire ça. Mais Allah a dit, le paradis, ce n'est pas le cas. Donc, il y a des choses qu'on n'a jamais imaginées même, c'est ce qui est dans le paradis. Donc, le messager d'Allah, il nous dit, ce sont ces trois-là. Aucun œil a vu, aucune oreille n'a entendu parler, aucune imagination a pensé à ça. C'est ce qui se trouve dans le paradis. On a dit qu'il n'y a pas la mort, il n'y a pas la vieillesse, il n'y a pas le souci, il n'y a pas aussi la maladie dans le paradis. Quand on rentre dans le paradis, c'est terminé. On demande à Allah de nous faciliter cela. Yas'alunaka, il te demande, il t'interroge. Les gens viennent te demander. On demande à qui? Au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. On vient le demander. Yas'alunaka, il te demande. Anissa'ati. Au sujet de l'heure du jour dernier. Dans le messager à la Mecque, les gens venaient lui poser la question. Mais le jour de jugement là, c'est à quand? C'est quel jour? Quelle est sa date? Quelle est son heure? Quel est le temps des jours de jugement? On venait le demander, mais les gens qui venaient demander au messager d'Allah étaient divisés en deux parties. Il y a des mécréants qui venaient le demander pour se moquer de lui. C'est toi qui dis qu'il aura un jour dernier, il aura un jugement. C'est quel jour? Ça va arriver quand? Donc, leur interrogation était des interrogations de la moquerie. Ils venaient se moquer de lui.
Mais il y a des musulmans aussi qui venaient demander. Et ils viennent demander afin de se préparer. Tellement qu'ils veulent rentrer au paradis, ils viennent demander au messager d'Allah, mais le jour du jugement, là, c'est quand? Pour qu'ils préparent mieux. Pour qu'ils travaillent bien pour avoir la victoire de ces jours-là. Donc, il y avait deux qualités de personnes qui venaient demander au messager d'Allah la paix et la bénédiction d'Allah soit sur lui. Allah nous dit dans Sourate Al-Ahzab, Yas'aluka an-nasu 'ani sa'a. Les gens viennent te demander au sujet du jour du jugement. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Dis-le, la connaissance de ces jours-là, il y a que Dieu seul qui connaît. Donc aucun ange ne connaît la date du jour du jugement. Aucun prophète ne connaît aussi la date du jour du jugement. Qul innama 'ilmuha 'indallah. Wa ma yudrika la'alla as-sa'ata takunu qariba. Qu'est-ce que tu apprends que le jour du jugement soit proche? L'ange Gabriel, lorsqu'il est venu voir le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam sous forme humaine, quand il était à Médine, Omar ibn al-Khattab, il nous raconte ces hadiths. Il dit que l'ange, Jibril alayhi salam, l'a demandé le messager, qu'est-ce qu'est l'islam? Le messager a répondu, qu'est-ce qu'est la foi? Il a répondu, qu'est-ce qu'est la bienfaisance? Il a répondu. Il est arrivé à la quatrième question, il a dit, mais c'est à quand le jour du jugement? Le messager de Dieu a dit, Mal mas'oul anha bi a'lam min as-sa'il. Ni toi qui me demandes, ni moi à qui tu as demandé, personne d'entre nous ne connaît ça. Ça, c'est l'ange, le chef des anges. Ça, c'est un prophète, le meilleur des prophètes. Si eux deux n'arrivent pas à connaître la date du jour du jugement, alors personne d'entre nous ne peut connaître. Ça, c'est une connaissance qu'Allah a cachée pour lui seul. Mais les gens venaient demander le messager et ils étaient divisés en deux parties. Une partie pour se moquer de lui, qui était des mécréants, et une autre partie, c'était des musulmans pour bien préparer, pour bien travailler afin de gagner la victoire du jour du jugement. Ayana mursaha, ayana qiyamuha, ayana wuku'uha. Allah a dit, il te demande, c'est à quand la réalisation de ces jours-là? Ça va se réaliser quand? Alors, on s'arrête un peu ici, là, pour se rappeler des signes du jour du jugement. Parce qu'on a dit, Allah a dit, Innama ilmuha indallah. C'est Allah seul qui connaît. Personne ne sait la date exacte du jour du jugement. Mais il y a des signes qui ont été donnés. Si vous voyez ces signes-là, c'est que c'est proche. Et si vous voyez aussi d'autres signes, c'est que c'est déjà arrivé. Il y a des signes qui ont montré que la fin du monde s'est approchée. Ces signes sont déjà là. Parmi ces signes, il y a l'arrivée du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que lui, il est le dernier des prophètes. Lorsqu'il est apparu, ça a montré que la fin du monde s'approche. Ça, ce sont les petits signes qui montrent que ça s'est approché. Et encore, il y a le fait que la lune a été cassée. Allah a dit, « Iqtarabatis sa'atu wanshaqqa al-qamar. » La lune s'est cassée un jour. Ça, c'est ce que le prophète avait fait comme miracle. On voit là, la lune depuis le haut là-bas s'est cassée en deux parties. Et tous les deux morceaux sont venus sur la terre. Après, les deux morceaux sont répartis au ciel et se recollés. Les habitants de la Mecque sont en train de regarder. Inshaq al-qamar. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a fait ça aussi pour montrer que la fin du monde s'approche. Et lorsqu'on commence à voir qu'il y a plus de femmes que de garçons, le messager de Dieu a dit, ça aussi c'est un signe qui montre que la fin du monde s'approche. Ça c'est une réalité qui est là. Si tu vas dans les maternités, on voit qu'il y a plus de naissances de filles que de garçons. Et si tu vois que les hommes honnêtes, les hommes de confiance deviennent peu. La majorité des gens deviennent des escrocs. Quand tu leur donnes l'argent, ils bouffent. Quand ils prennent crédit, ils ne payent pas. Alors, ça montre que la fin du monde s'est approchée aussi. Donc, il y a des signes qui ont montré que c'est proche. Ça, ce sont des petits signes, comme on peut appeler. Ça est déjà là. Il y en a plusieurs. Plusieurs. Maintenant, il y a des grands signes. Lorsque ces grands signes-là arrivent, c'est déjà arrivé.
Et ces grands signes, le messager d'Allah, il nous les a enseignés. Lorsque vous voyez ces 10 signes-là, dès que le premier intervient, la fin du monde est déjà arrivée. C'est comme on va commencer à compter de 10 à 0. On voit le 10e arriver, peu de temps après, 9, 8, 7, 6, 5. Comme ça, on va arriver jusqu'à 1, 0, alors Israfil va souffler. Donc ces 10 signes-là, lorsque le premier commence, ça commence à s'enchaîner. Ça, ce n'est pas encore arrivé. Aucun des grands signes n'a d'abord commencé. Mais ce qui se passe maintenant, ce sont les petits signes. Mais la date exacte n'a pas été connue, mais les signes ont été donnés. Les grands signes, le messager d'Allah nous a dit, c'est 10 signes. Lorsque vous les voyez, c'est déjà arrivé. Nous avons comme grand signe l'apparition de Masih ou Dajjal. Dajjal, c'est un homme. C'est un kafir. Il est de la tribu juive. C'est un juif. Dajjal, il va sortir à la fin du monde. Lorsqu'on le voit, on va savoir que la fin du monde est déjà arrivée. Dajjal, il a un œil. Lui, il a un seul œil, mais l'autre côté, là, il y a la place de l'œil quand même, mais il n'y a pas un œil là-bas. Mais il voit avec l'autre œil. Et Dajjal, il est tellement rapide dans ses déplacements, il va faire le tour du monde. Il va rentrer dans toutes les villes, tous les villages, tous les quartiers. Il va égarer beaucoup de gens. Il ne pourra pas rentrer seulement à la Mecque et à Médine, c'est tout. Parce que lorsqu'il va vouloir rentrer à la Mecque, les anges vont venir entourer la Mecque. Il arrive, il veut rentrer, ils vont le combattre. Il va se retourner. Il veut rentrer par l'autre porte. On va aussi, on le défend. En ce moment, il ne pourra pas rentrer ni à la Mecque, ni à Médine. Masih ou Dajjal, il va se faire appeler par prophète. Il va dire, moi, je suis prophète. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit aux musulmans, c'est lui, son temps va correspondre à l'apparition de Masih ou Dajjal, qu'il puisse savoir qu'il n'y a plus de prophète après moi. Il a dit, après lui, il n'y a plus de prophète. Donc si quelqu'un vient te dire qu'il est prophète, non, non, ce n'est pas un prophète. Donc il faut savoir que les prophètes sont finis. Donc Masih ou Dajjal, il va rester dans ça. Après, il va dire, lui-même, il est Dieu. Il va dire qu'il est Dieu. Mais tellement qu'il a beaucoup de miracles, il y a beaucoup de gens qui vont suivre Masih ou Dajjal. Parce qu'il peut remplir une maison de l'argent du coup. Il peut rester là, il prend un grain de maïs, il va s'aimer ça, ça va pousser sur place et ça va aussi donner des céréales du coup. Il peut rester là, il te demande, mais ton grand-père, il s'appelait comment? Tu lui donnes son nom, il va l'appeler. Ton grand-père qui est mort il y a 200 ans, 300 ans là, tu vas voir ton grand-père devant toi. Il est debout. Ton papa qui est mort il y a des années, il va dire, mais ton papa qui est mort là, il s'appelait comment? Ta maman aussi s'appelait comment? Tu donnes le nom, il les appelle, tu les vois devant toi. Et ce qui est plus étonnant, ton père qui est mort, ta mère qui est morte, va te dire, mon fils ou bien ma fille, il faut croire à celui-là. C'est vraiment Dieu. Lui-même, il te parle. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit, ce n'est pas ni ton père, ni ta mère, mais c'est le Satan qui s'est transformé à ton père et à ta mère. Parce que quand ton mère, on n'y revient plus. Donc, lorsqu'on va voir Masih ou Dajjal, la fin du monde est déjà arrivée. On a dit, les grands signes la montrent que c'est déjà arrivé. Ça commence à compter 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on va souffler dans la trompe par Israfil. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les grands signes qu'il va faire lorsque la fin du monde va arriver, il y a la descente de Isa ibn Maryam. Jésus, il était là. Il a été poursuivi par son peuple, on voulait le tuer. Il est rentré dans une maison, Allah l'a fait monter dans le ciel. Et il va revenir. Le retour de Isa est sûr. À travers les versets coraniques, à travers les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lui il va descendre. Quand il va descendre, ça sera le moment de la prière de Fajr, subh, très tôt le matin. Ça va trouver que l'imam Mahdi est là. Ça c'est un imam qui va apparaître à la fin des temps aussi. Il est de la famille du prophète. Son nom est comme le nom du prophète.
le nom de son père est le nom du père du prophète aussi. Quand il va arriver à l'imam Mahdi, il sera l'imam des musulmans, le khalifa. Il sera dans la mosquée en Palestine. Il va diriger la prière de soubh du matin avec les musulmans. Voilà que du coup, toutes les lumières vont se couper. Il n'y aura plus de lumière. Les gens se retrouvent dans le noir. Personne ne voit celui qui est à côté de lui. Et du coup, la lumière va revenir. La mosquée est éclairée. On voit Jésus est là. Et Issa est là. Issa va descendre en ce moment-là, le moment de Fajr. Et il va descendre à Damas. Dimashq. Syrie. Syrie, très bien. Il va descendre en Syrie, Issa ibn Maryam. Et lui va rejoindre Imam Mahdi en Palestine, dans la mosquée. Et le moment de la prière de Soubou. Lorsque la lumière revient, Imam Mahdi, il fait le tour. On a fait Iqama. Il doit faire Allahu Akbar, mais il veut redresser le sauf. Mettez-vous en rang, il voit Issa est là. Il va le reconnaître facilement. Parce que ces détails ont été donnés. Alors Imam Mahdi va dire, toi tu étais prophète, alors prends la place. C'est toi qui dois diriger la prière avec nous. Mais Issa va dire non. Moi je ne dois pas diriger parce que la prière là, on a fait Iqama à cause de toi. On ne m'avait pas vu. On a fait pour toi. C'est toi qui dois diriger. Alors Imam Mahdi va prendre la place et va diriger la prière ensemble avec les musulmans. Ça c'est le deuxième signe. Nous avons dit, les grands signes, il y en a combien? 10. Ça c'est déjà deux, nous avons cité Masih Dajjal avec Issa ibn Maryam. Maintenant, Issa ibn Maryam, avec Imam Mahdi qui a dirigé la prière, les deux vont maintenant prendre les musulmans. Parce que ça se trouvera que Masih Dajjal est en train d'égarer les gens. Issa va dire, on doit aller à sa recherche pour le tuer. Ils vont former une armée. Ils vont aller trouver Masih Dajjal et Issa qui sera l'homme même qui va le tuer. Issa va tuer Masih Dajjal. L'histoire de Masih Dajjal va finir. Donc nous avons déjà deux signes. Troisième signe, il y a l'apparition ou la réapparition de Ya'juj et Ma'juj. Les Gog et les Magog, comme on peut les appeler. Ceux-là aussi sont des hommes. C'est les fils d'Adam, comme nous. Mais parmi eux, il n'y a pas de musulmans. C'est seulement des kafirs. Ils vont rentrer tous dans l'enfer. Et avant, ils vivaient en cohabitation avec les hommes normaux. Mais ils faisaient tellement du mal aux gens que lorsque Dhulqarnayn est arrivé, Allah subhanahu wa ta'ala a donné le pouvoir à Dhulqarnayn de mettre une barrière entre eux et les gens. Parce que Ya'juj et Ma'juj venaient tuer des gens, ils venaient casser les maisons des gens, ils venaient gâter les plantations des gens. Les gens sont venus se plaindre chez Dhulqarnayn, qui était un roi, qui avait aussi toutes sortes de personnes pour l'aider à séparer. Alors Dhulqarnayn a mis une barrière. Il a construit son pont. Il a construit ça avec le fer qu'il a eu à dissoudre. Donc, les Ya'juj et Ma'juj sont restés à leur côté. Ils ne peuvent pas venir là où nous sommes. Mais lorsque la fin du monde va arriver, ils vont pouvoir casser ce que Dhulqarnayn a mis entre eux et les gens et ils vont venir rejoindre les gens. Ils sont beaucoup. Ils arrivent à boire tout l'eau de la mer. La mer là. Ils vont boire tout son eau. Et ils vont venir commencer à semer la terre comme ils faisaient avant. Mais Issa ibn Maryam, il va appeler Allah, il va faire le doua, Allah subhanahu wa ta'ala va les tuer tous. Ça c'est le troisième signe de la fin du monde, les grands signes. Quatrième signe, nous avons Ad-Dukhan, il y a une fumée. Les gens sont en pleine journée, mais on voit il y a une fumée qui descend du coup. Ça va envahir la terre. Tu ne vois même pas celui qui est à côté de toi. Tu ne vois même pas ton propre corps. Cette fumée-là aussi arrive à la fin du monde. Et lorsqu'on voit ça, on sait que c'est déjà arrivé. On a dit les 10 grands signes se succèdent directement. Ça s'enchaîne. Lorsque ça commence là, ça continue jusqu'au bout. Et nous avons maintenant les tremblements de terre. Il y aura 3 tremblements de terre. Il y a un tremblement de terre qui va se faire au centre de la terre, au milieu de la terre.
qui est vers la Mecque, Al-Jazira, Jaziratul Arab. Mais le tremblement de terre qui va se faire là-bas, ça va prendre les pervers, les mauvaises personnes dans l'Arabie. Ceux qui sont en train de boire le vin, ceux qui sont en train de danser dans les boîtes de nuit, ceux qui sont en train de faire le zina, on voit du coup la terre tremble et la terre commence à s'effondrer et les gens tombent dans les trous qui sont dans la terre. Al-Khusuf. Donc la terre va trembler. Ça, c'est ainsi qu'on compte aussi parmi les grands signes de la fin du monde. Et il y aura encore deux autres tremblements de terre. Un qui se fera à l'est, c'est-à-dire au couchant, et l'autre va se faire à l'ouest. Hein? Le levant et le couchant. Donc il y aura trois tremblements de terre du coup. Trois tremblements de terre. Donc nous nous retrouvons déjà au septième. Et encore, huitième, il y aura un animal qui va sortir. L'animal là, d'autres ont dit qu'il va sortir de la Mecque de Sofa. Il y a une montagne dans la mosquée Haram. On appelle la montagne là Sofa. Il va sortir de cette montagne là. Et quand il va sortir, il va commencer à marcher sur la terre. Il va tracer, il va mettre des signes sur les visages des gens. Tous les gens qui seront en vie, il arrive là, les musulmans. Il va mettre un signe sur sa joue. Mais le signe qu'il met, le trait qu'il met là, ça va donner de la lumière. Quand on voit le musulman, on sait que celui-là, c'est un musulman. C'est un signe qui donne la lumière. Quand il arrive aussi sur les mécréants, les kafirs là, il va tracer sur leur nez. Quand il trace, le visage devient noir. Ça, c'est l'obscurité. Donc les musulmans et les non-musulmans, dès qu'on les voit, on sait déjà. Celui-là, c'est un musulman, l'autre n'est pas musulman. Et encore, l'animal là, il s'adresse aux gens, il parle avec les gens. Ça, c'est aussi un grand signe que le Coran nous a parlé, qui est le huitième. Et nous avons comme neuvième, il y aura le soleil qui va sortir du couchant et va se diriger vers le levant. Là où le soleil s'élève chaque jour, là, c'est-à-dire de ce côté, ça ne sera plus là-bas. Mais ça va s'élever maintenant du couchant et ça va se diriger vers l'autre côté. Et le messager d'Allah, il nous dit, dès que le soleil sort du couchant vers le levant, il n'y a plus de repentir. Si tu faisais du mal, tu dis, Allah, moi j'arrête maintenant. Allah dit, non, 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 ce n'est plus accepté. Parce que la fin du monde est là. Les signes sont là, donc on ne peut plus accepter ton repentir. Et le dixième, c'est un feu. Ce feu-là va sortir de Yémen. Ça sort de Yémen. Yémen, c'est un pays pauvre de l'Asie qui est près de l'Arabie Saoudite. Donc le feu là, Yémen, très bien. Ça sort de Yémen et ça va commencer à chasser les gens. Le feu chasse les gens. Les gens qui seront là, le feu se met à leur côté et derrière eux. Ça les chasse. Ils ont peur du feu, mais le feu ne fait que venir, mais ça ne les brûle pas. Quand ils voient le feu en train de venir, ils fuient, ils marchent. Quand ils arrivent à un endroit, ils sont fatigués, ils ont beaucoup marché. Ils commencent à dormir, le feu aussi s'arrête, il les attend. Dès qu'ils ouvrent leurs yeux, le feu commence encore à les chasser. Et ce feu-là a pour mission de conduire les gens vers le terrain de jugement, vers Cham. La fin du monde va aller se faire vers Cham. Tous les événements de la fin du monde vont se dérouler vers Cham, même ce qui commence ailleurs. Va aller se terminer à Cham, Bilad de Cham. Donc ça, c'est le dixième signe qui montre que la fin du monde est déjà là. Allah a dit, ils sont en train de te demander, Ani, Sa'ati ayyana mursaha, fima anta min zikraha. Donc nous sommes arrivés, Inch'Allah, à la fin du temps. Il est déjà 15. On doit appeler la prière des chats. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous accorder le samedi pour commencer là où nous nous sommes arrêtés. Allah souvent vendredi, le vendredi inshallah, le vendredi, ça y va. Le samedi c'est l'histoire du prophète avec Imam Sangari. Le vendredi inshallah, ta'ala, on va essayer de terminer la sourate. On demande à Allah d'accepter nos adorations, de pardonner nos péchés. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne à nos morts, qu'il guérisse nos malades. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa sallama tasliman kathira wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ça vous l'a
إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على السلام